On aimerait aussi savoir, à Brazzaville, aujourd'hui, il y a le mausolée Savonneau de Brazza, qui a été simplement réalisé pour honorer le nom de Brazzaville qui émane du colon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cela? Mais est-ce que si on voulait construire le Congo, il n'y avait pas un dignitaire congolais qui méritait qu'on prenne son nom et l'attribuer au territoire Congo? Hein? C'est-à-dire, vous, on doit bannir le nom Brazzaville? Bon, bannir aujourd'hui, est-ce qu'on a la force de le faire? Mais nous devons constater que le nom, mais il faut que nous sachions que le Brazza, ben, il avait une famille, non? Et Brazza était un homme des mondialistes. Donc on l'envoie en mission. C'est comme on a fait avec Stanley Paul. Si les deux étaient, ne se connaissaient pas, il allait y avoir conflit de sang. Mais pourquoi du côté des Brazza on donne le nom Poul? Hein? Du côté Kinshasa aussi c'était Poul. Vous voyez? Bon, ça on pourra développer après. Mais des Brazza enterrés à Brazzaville, ça permet à la France de marquer son empreinte territoriale. Donc, c'est tout. Mais que pensez-vous de la conférence de Berlin? Ouais, mais ça aussi, ça a été une arnaque. Enfin, pour nous, mais pour eux, ils se sont assis. Mais quand on parle de la conférence de Berlin, tiens, c'était sur quel thème? Nous, quand on dit conférence de Berlin en 1800, bah, oui, conférence de Berlin, il y a eu une conférence à Berlin. Mais où les puissants, sur quel sujet? Où les puissances se sont sans doute partagées, donc, l'Afrique. Les puissances de la civilisation romaine se sont assises pour réfléchir comment il faut détruire le dernier bastion qui résiste au nettoyage. Le Soudan est là. Il risque, avec ses enfants puissants soumis, ils vont relever un royaume pour que le Soudan puisse retrouver sa poche impériale, comme l'a été l'Éthiopie, comme l'a été l'Égypte. Hein? Et Carthage aussi. Voilà. Donc, comment faire? Maintenant, aujourd'hui, ça s'appelle Grand Lac. Mais avant, ça s'appelait Pays de Couche. Hein? Donc, la Bible en parle. Donc, vous croyez que le progrès de l'Afrique ne peut qu'exister à travers ces royaumes-là? Le progrès de l'Afrique aujourd'hui, moi je ne crois plus au progrès de l'Afrique, sinon que l'Africain devenu, l'enfant de couche devenu africain, doit s'intégrer au lieu de se faire intégrer. Parce que l'intégration a deux sens. Hein? Nous devrons maintenant nous intégrer, mais tout en sachant qui nous avons été, hein, d'où nous venons et ce qui nous arrive. Voilà. Parce que quand on dit aujourd'hui, l'Afrique avance, oui, mais il faut être fou pour croire que vraiment l'Afrique avance, puisque la population qui occupe l'Afrique est en train de mourir. Hein? Voilà. Hein? J'aimerais que vous puissiez dire un mot sur cet artiste-là, qui est aussi très connu dans notre pays, l'artiste Rafa Bounzeki. Qu'est-ce que vous pensez de la musique qui était beaucoup basée dans la promotion du dialecte Lari que ce monsieur a réalisé? Oui, mais il a payé de sa vie. C'est comme les Franklin Bukaka qui ont chanté des vérités. Et Bounzeki, plus, le but est d'effacer la langue Lari. Bounzeki, il chante en Lari. Mais il faut l'effacer. Mais un jour, il faudrait qu'on revoie un peu pourquoi la SAP a été qualifiée de délinquance juvénile. Il y a une raison derrière cela. L'importance, c'est surtout que l'histoire du Congo soit connue de tous. Oui, ça c'est très important. Hein? Il faut que nous sachions d'où est-ce que nous venons et qui nous sommes. Or, l'histoire nous a été cachée exprès pour mieux nous dominer. Hein? Moi, aujourd'hui, quand je regarde l'homme blanc en face, je lui dis qui je suis. Mais est-ce que lui sait qui il est? Non. Hein? Mais et encore, nos ancêtres ont été des blancs avant eux. Le blanc, c'est pas par rapport à la peau. C'est par rapport à l'attitude. Hein? La culture, l'attitude, l'habillement. Ce que nous appelons blanc aujourd'hui,
ils qualifiaient nos parents de blancs. Hein? Ben oui. Ben, c'est pour ça que mon grand-père disait, Kuta tuka kwa razebi. Pourquoi on va servir celui qui nous servait avant ?